dans le tri souterrain pour aller faire l'extraction de cuivre pour faire tomber la. Ah, merci. Ok, merci. 6 différents. Mais là, le sommet, il a décidé de charger ça. On n'a pas besoin de tout est intégré. Ça, c'est le point de 7 qui est en or. Il y a combien de... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2, la torche. Le kit aussi, ça va. Le kit, sorry. This kit is how much? Il y a 6 plus 2, la torche. Et ça, ça c'est 6 dollars. fournisseur des tentes. Oui. Ça, c'est tout notre tente. Ça, c'est le NRS Relief. Ça, on le vend à UNHCR. Ça, c'est pour une famille de 5. Ça, c'est notre Legend Pro. Ça, on a fait ça pour le Médecins sans frontières. Oui. MSF. Oui. Pour l'isolement, pour les voilà. Là, vous pouvez faire une école, un petit hôpital. Ce que vous voulez, dans un restaurant, il y a beaucoup d'applications. Oui, ça, c'est notre Legend Pro, 45 mètres carrés, cette tente. Et ça coûte combien? Je n'ai pas le prix dans le tête, je ne vais pas vous dire, parce que ça, on a ajouté cette part-là pour éviter la chaleur, pour avoir plus de nombre. Ah oui, oui. Là, c'est nouveau, on a fait pour MSF. MSF sans problème. J'étais là. Durée de combien de temps ça existe pendant combien de temps? Pardon, ça. Longévité. Là, on garantit ça pour 3 ans. Oui. On garantit pour 3 ans. J'ai besoin de quoi? Non, non. Il y a après notre NRS Relief. Ça, c'est le temps sur le Viva Family. Ça, c'est pour un. C'est le plus.
on vend plus de 50 000 pièces par an pour les pour le fonds mondial. Mm-hmm. Pour tout ce qui se passe, vous savez, en Syrie, pour le chef. Là, on a perdu par exemple 5 personnes. Vous avez visité. Après, on a. Ça, c'est notre dépôt. Ça, vous pouvez avoir jusqu'à 320 mètres carrés. Et ça va jusqu'à 10 fois 32, il y en a 320-40 mètres carrés. C'est des pays, ça inclut tout ça. Ça vient avec. Ça, c'est du aluminium, ça, c'est pas lourd. On peut les déployer dans 2 heures. Ça, c'est fini. Ça, vous pouvez utiliser comme dépôt. Le MSF, le FDA, utilise pour la nourriture, les conserves, tout ça. Et vous pouvez avoir un petit camionnette qui rentre dedans et sort. Et là, votre plus grand vent, il me semble, le 3. Mondial et maintenant la sortie du sticker. Ça, c'est un été, nous sommes en d'abord, on va faire
qu'est-ce que vous faites, votre droit. Après, on vous envoie un contrat, un emploi, ça. C'est parce qu'on ne peut pas envoyer une autre chose. Voilà, c'est le droit qui fait. Mais Charles, il y a beaucoup de choses. Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous, tout ce que vous avez vu en Bourgogne, c'est pas qu'on achète, on le revend. Même ça, on peut mettre notre application. Tous les temps, tout ce que vous faites, des rigots, des couvertures. Bien sûr, vous les moustiquaires, ça, les 3500 personnes qui sont artistes. Parce que nous, on publie 4 à 5 millions de moustiquaires par mois. Et ça, c'est. D'accord, monsieur, enchanté. Merci. Et en direction, on va la fin. Monsieur, je suis là. Ok, bonne journée. Thank you. Bye, everyone. Tout est continué, j'avoue. Tout est filmé, ils ont filmé. Si, si, je suis prêt. Ça, c'est une fois principale. Oui. Lancez. On y va ? Allez, on y va. Okay. Alors, c'est assez simple. Hein. Le principe, c'est un filtre qui vous filtre l'eau que vous pouvez prendre à peu près partout. Une rivière, un étang, un puits qui n'est pas propre. Vous savez que le puits est ouvert, qui n'est pas protégé. Donc ça peut donner de l'eau si vous voulez faire la caméra voir un peu oui. La qualité de l'eau. Mmh. Je vais là.
l'eau presque sale. L'eau sale. On en a là encore, pas très propre. Et c'est voilà, ce qui me frappe chez nous au village. Oui. On peut utiliser un réservoir. Oui. Bon. Et puis il suffit d'accrocher le filtre à ce que l'on a comme conteneur d'eau. Donc là, on a coupé un jerrycan, mais si les gens ont un seau, peu importe ce qu'ils ont. Ici, on voit même, il y a des gens qui s'en servent avec un pot en terre. Ouais. Donc c'est vraiment, si les gens n'ont pas un seau en plastique, ils peuvent se servir d'autre chose. Il suffit d'ouvrir le petit stopper bleu, de pomper. Et puis là, ça vous donne 80 ml d'eau à l'heure. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup de temps pour remplir son verre. Il faudra un peu plus de temps pour la maman qui fabriquera le repas pour faire peut-être 2 ou 3 litres d'eau. Il faudra quelques secondes. Et puis à partir de ça, on peut boire. Ah bon ? Je ne vais pas tout boire parce que je bois toute la journée. Mais je peux essayer, je peux boire aussi. Hein. Ah, bien sûr, oui, vous pouvez boire comme vous voulez. Venez boire. Si vous voulez boire avec un autre verre peut-être ? Non, mais même c'est lui, vous essayez, je vois l'eau qui est... Vous voyez, parce qu'on voit l'expérience qui est là. Elle est toute seule, le monsieur tente de pomper, voilà, l'eau sort très très froide et propre. Alors ce qui est important, c'est pas tellement la couleur de l'eau, ça c'est bien parce qu'on aime bien la avoir qualité. De l'eau claire, mais c'est la qualité surtout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de virus, plus de bactéries. Avec de l'eau comme ça, on ne peut pas attraper de diarrhée, on ne peut pas attraper de maladie. Ça n'empêche pas. Est-ce que vous n'avez pas mis quelque chose dedans, des gingembre, les... Non, pas de gingembre. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à avoir une bonne hygiène, il faut se laver les mains, parce qu'on peut attraper des maladies ailleurs qu'en juste en buvant. Il faut se laver les mains, parce qu'on peut attraper des maladies ailleurs qu'en juste en buvant. Mais en tout cas, on se préserve d'à peu près tout, y compris le choléra. Ça c'est important de savoir. Le gouvernement britannique nous a demandé d'envoyer des filtres voilà, avec l'organisation qui s'appelle Page International. Et eux, ils ont distribué en Haïti où il y a du choléra. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ça dure. Quelle capacité ? Ah oui, alors les capacités, donc ça fait 90 litres à l'heure. Ça fait 300 litres à l'heure. Attention, monsieur Joss. Je vais la fermer. C'est la durée de vie. La durée de vie, on sait, on en a en Gambie depuis plus de 5 ans et il continue de fonctionner. Donc peut-être que 100% des filtres que vous distribuerez ne dureront pas 5 ans parce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui n'en prennent pas soin. Si on en prend soin, on sait que ça va durer au moins 5 ans. Il n'y a pas besoin de pièces détachées, il n'y a pas besoin d'acheter des choses en plus. C'est là. La seule chose que vous aurez besoin de changer, à peu près, si c'est une famille qui s'en sert tous les jours, on pense qu'une fois par an, vous aurez besoin de changer ça. Mais il y en a 4 autres là, donc vous en avez pour 5 ans. Et puis le jour où vous êtes vraiment fini, vous en trouverez ça dans n'importe quel village au Congo, vous trouverez ça. Non, c'est vrai. Oui. J'ai habité à Beni, je sais de quoi je parle. Ah, vous étiez à Beni. Oui. Maintenant, par rapport aux pauvres, quel est le coût? Alors, on est une organisation à but non lucratif, mais comme on fabrique des choses, on est obligé d'avoir un tout petit peu de bénéfice pour payer les gens. Et donc on a essayé de faire le prix le plus bas possible, sachant qu'à l'intérieur, c'est beaucoup de fibres creuses qui sont un peu chères. Et ça coûte 35 par. Je ne sais pas, on est équivalent en dollars ou en euros, je laisserai les gens faire la conversion. 35 pounds british. British. Oui, c'est-à-dire British, oui. Plus ou moins 5 euros. Hmm? Combien ? Des 100, 100 et quelques. Ah non. Plutôt 45 ou 50, peut-être, quelque chose comme ça. C'est un livre. Un livre, oui. Bah, une livre, je ne sais pas maintenant, parce que je crois que l'euro est descendu la semaine dernière, mais avant c'était 1,20 €. 1,20 €. Donc ça devait faire. Ah, 1,20 €. Ah, ok. Donc s'il faut savoir. Mais si moi je vais voir ça combien. Me donner un échantillon pour votre pays. Je vous donne un échantillon, je ne donne pas d'échantillon, mais je veux bien vous donner un échantillon. En échange de quelque chose, c'est que vous m'écriviez et vous m'envoyez une photo de gens à qui c'est vous, et vous m'envoyez un petit truc, savoir si les gens sont contents ou pas. Je le fais. Et comme ça, je pourrais mettre ça sur votre site. Je le fais volontiers. Vous allez voir, on est en train de développer une nouvelle cité dans un coin perdu de Kinshasa. Il n'y a pas d'électricité. Nous sommes venus ici pour ça. À la tête d'un projet de construction de logements sociaux. De toute façon, si je vous donne le filtre, je sais que comme vous êtes dans le
pas. Au contraire. Je fais partie de la délégation d'Avenir Venir. Moi, j'étais là la fois passée. J'ai découvert les noms. Il faut que les pays soient officiellement représentés. Donc, ça, on verra. Lui-même, il a vu, je pense qu'il fera son rapport à qui les voit. Et bon, vraiment, on va intéresser les gens. C'est honnêtement, hein, c'est parce que je suis attaché au Congo, j'ai vécu là-bas, que je vous le donne, parce que sinon, sinon j'aurais passé ma journée à en donner. Je vous le donne à vous, mais coupez. Ne dites pas aux gens que je vous en donne, ah ouais, mais je ne donne pas. Merci. Que c'est à, sinon, c'est à la population de Beni qu'on allait donner ça. Bon, vous allez partir avec. C'est-à-dire ici, nous sommes dans un stand où on s'est développé, ce sont des tuyaux pour faire la filtration d'eau. Je crois que vous avez vu l'expérience ici avec de l'eau froide que j'ai bu moi-même, et devant le Direcab, devant aussi Mislabé Bagaza. Donc on peut utiliser de l'eau chaude, de l'eau mal propre, mais en utilisant l'appareil qu'il a donné comme échantillon tout à l'heure, l'eau devient directement propre. Donc, pour les gens de Béni, les gens de tout le coin, même propre. Donc, pour les gens de Béni, les gens de tout le coin, même mais là où il y a le, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau, ce sont des trucs pareils, un appareil qu'on peut donner, qui peut servir dans une famille monoparentale, soit une famille qui n'ont pas assez d'expérience, qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Vous allez voir maintenant, monsieur l'abbé vient de demander, c'est-à-dire si on peut montrer comment faire son utilisation, manuel d'utilisation, comment les faire en cas de problème, en cas de calamité. Comme il vient d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ça, on veut développer la construction d'un logement social. Et dans ce logement social, ça peut aider aussi la famille en cas de défiguité. Quand il y a la crise. Jusqu'à ce que ça soit c'est plus facile. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Et là, vous pouvez régler à la hauteur. Vous pouvez soit le laisser toucher dans le fond, le laisser protégé. Ou si vous avez vraiment une eau très bonne. On règle l'hauteur en appuyant en appuyant. Oui, oui. Et puis là, une fois que vous avez réglé la hauteur, vous le bloquez. Faut pas non plus visser comme un fou, hein, parce que c'est du plastique. Normalement, une fois que vous l'avez mis quelque part, vous n'y touchez plus, vous voyez. Là, ça fait deux jours qu'on... Deux jours, ok, et une petite question. Quand vous êtes avec les Direcab ainsi que M. Lavier, je vais vous poser une petite question. Oui. C'est-à-dire, en utilisant, si je vois que vous utilisez, on utilise peut-être de gauche à droite, mais est-ce que pensez-vous, avec cet engin, il y a des filtres où on peut changer chaque année ou pas? Non. Il n'y a pas de filtre. Pour l'instant, c'est adapté dans les milieux les plus reculés. Les gens qui n'ont les milieux ruraux, là. Voilà. Une fois pour toutes, c'est fini. Ce qu'on veut, nous, c'est que les pendant gens... Pendant 5 ans. Ah bon. Et peut-être plus, au moins 5 ans. Au minimum 5 ans. C'est si les gens prennent soin, ça va durer au moins 5 ans. Ce qu'on veut... Le truc rouge ici reste comme ça. Le truc rouge, je te dis, quand vous l'utilisez toute la journée, quand vous avez fini d'utiliser en fin de journée, ça c'est si vous avez de l'eau qui est comme ça. Si vous avez de l'eau propre, vous vous n'oubliez pas. Si vous avez de l'eau boueuse, vous fermez le bleu, vous ouvrez le rouge et vous pompez un peu. Comme ça, toutes les particules qui sont à l'intérieur des fils vont partir. Et le lendemain, on recommence. Okay. Et ici, qu'est-ce qu'on ouvre en production ? On n'ouvre rien. Ça, c'est des tablettes de chlore, mais vous ne vous en occupez pas, c'est fait. C'est si, il y a deux choses. C'est que si le flot se réduit, vous pouvez le nettoyer, vous nettoyez le filtre à l'envers, pas coché. Et si vous voyez que c'est toujours réduit. Comment nettoyer le filtre à l'envers ? C'est comme de l'aquarium, ça. Vous nettoyez le filtre à l'envers avec ça. Ouais. Vous pompez de l'eau propre dans un verre propre, ouais. Que tout soit propre. Vous prenez votre eau. Ben, je pourrais le faire pour vous aussi. Ouais, ouais. On va mettre de l'eau. On risque de mettre un peu de l'eau partout parfois. Non, parce que vous faites sur l'autre là comme ça, je vois. Ouais, je vais faire sur. Alors. Remettez celui-ci. Je vais vous rendre celui-ci parce qu'il est sec. Il est sec. Et je pompe celui-ci. Donc, je vais le faire sur celui-ci qui n'a pas le rouge là, il repart à l'intérieur, comme ça on ne mettra pas de l'eau partout. Ouais, okay. Donc, vous pompez de l'eau. Alors encore une fois, dans un verre propre, c'est important. Tout doit être propre, hein, parce que sinon vous risquez de contaminer des choses. C'est pareil, votre seringue, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle reste toujours
voilà. Et ça, vous le faites autant de fois nécessaire pour que le flot revienne comme quand le filtre. Quand ça entre là, ça sort de l'autre côté. Ça sort de l'autre côté. Ça ressort sur le rouge. Vous voyez le rouge là, il est là. Alors tout ça, c'est de la théorie. En pratique, je pense, vous me direz, dans un an, David, je ne l'ai jamais utilisé. Ne l'utilisez pas si vous pensez que ça continue de couler normalement. Ouais. C'est vraiment en cas de problème si les gens usent ou utilisent de l'eau qui est très turbide. Les trois quarts des gens qui l'utilisent, utilisent généralement de l'eau qui vient d'un puits ou quelque chose comme ça, donc elle est rarement très très turbide. Donc ça, ça dure. C'est bon en fait. De toute façon, vous en avez un, je vous demande pas. Comme ça, vous me direz vous-même. Bon. Mais remettant pas votre cas. Oui. Et puis, je vais vous remettre tout ça. Vous voulez me donner un patin pour nous utiliser comme il n'y a pas vu, je vais voyager avec cette parapluie. Oui, mais ils ont tous de l'eau parce qu'on les teste avant. Non, l'autre ici, il y a de l'eau dans le sac. On peut le vider, Dans l'emballage. Mais là, c'est plus sec. Je peux si vous voulez, mais je ne sais pas si c'est beaucoup plus sec. Hein. Parce qu'à mon avis, l'eau est dans le fond. Avant de le sortir de l'usine, on les teste tous. Okay, donc on les teste avec de l'eau. On prend ça, oui. On voit les tests. Il va pas regardez. Ah, il a tout cassé. C'est pas grave, non, c'est la fin de journée. Non, j'ai touché. C'est la colle. Hein. Voilà. Serrez-vous. Alors, si vous avez des doutes, vous m'écrivez. Vous m'envoyez un mail et moi je peux vous téléphoner si vous avez des doutes sur l'utilisation. Mais généralement, ce sont des gens tous les gens on le donne, ne savent pas lire et ils s'en servent très bien. Donc vous qui savez lire l'utilisation, je serais étonné que vous ayez des...